Ahmad Abou Shabab est palestinien. Il a fui la guerre qui fait rage en Syrie depuis plus de 3 ans. Il est revenu à Gaza, la terre de sa famille. Aujourd'hui, il va sur la tombe de son fils, mort dans les bombardements de l'armée israélienne alors qu'il tentait d'évacuer des blessés. Nous avons fui la guerre pour retrouver une guerre chez nous. La vie est difficile, dure à la maison. On ne nous a rien donné, ni maison, ni abri, ni éducation. La famille Al-Aimawi a aussi fui la Syrie pour rentrer à Gaza. Pendant la guerre des 6 jours en 1967, 530 000 réfugiés palestiniens avaient quitté leur terre pour aller notamment en Syrie. Mais avec le conflit qui dure depuis plus de 3 ans, entre le régime de Bachar al-Assad, les rebelles de l'armée syrienne libre et les djihadistes, plus de 70% d'entre eux ont fui leur maison. Nous avons fui à cause du manque de sécurité en Syrie. La situation n'était pas claire. Là-bas, on a perdu notre gagne-pain. Il n'y avait aucune possibilité de travailler et la guerre nous a fait perdre notre envie de rester. Mais à Gaza, la situation est encore différente. Oui, il y a une guerre, mais elle est différente. Lorsqu'Ahmed Abou Shabab a quitté la Syrie, l'Égypte des frères musulmans et Mohamed Morsi les avaient aidés à revenir à Gaza. Le mouvement palestinien du Hamas au pouvoir à Gaza s'était même engagé à verser tous les mois 170 euros à tous les chefs de famille au chômage. Mais depuis 5 mois, le Hamas, isolé par le changement politique au Caire et étranglé économiquement, n'a rien pu donner aux réfugiés de Syrie. Notre maison a été détruite. Nous sommes venus ici chez nous pour retrouver un confort et une maison, mais c'est le contraire que nous avons trouvé. Et personne ne prend soin de nous, personne ne nous a donné de maison. Nous sommes maintenant dans les débris, dans la rue. Les négociations sur l'issue de la trêve sont toujours en cours au Caire. L'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 2000 morts en un mois.